m'approche pour le son. Pour le son. C'est pas pour qu'on me voit en gros plan. Hein. Alors, je le dis à chaque fois, la pêche, quand il n'y a pas de poisson, c'est une philosophie. On écoute la chanson de l'océan. On regarde les vagues se briser sur le rivage et on passe un merveilleux moment. Alors ici, c'est le coin secret de mon père. Je ne vais pas dévoiler où on est. Bon, ma famille sait où je suis là. Hein. On reconnaît les rochers, même après 60 ans, on reconnaît les rochers. Eh bien, ce coin, mon père, un week-end de Pentecôte, il y avait une troupe de pêcheurs ici, sur ces rochers. Sur ces rochers, il y avait une troupe de pêcheurs qui jetaient tous leurs lignes là-bas, là-bas où ça déferle. C'est un secret, hein, vous le répétez à personne. Et mon père, il avait remarqué que les ombrines, les poissons, ils étaient là. Là, sous la dalle, sous la dalle. Alors, pour pas attirer l'attention, mon père, c'est un malin, quoi. Hein. Pour pas attirer l'attention, il jetait très, très, très loin, le plus loin possible, et discrètement, il moulinait jusqu'à ramener son hameçon là, au pied des rochers, à marée haute. Les ombrines étaient sous le rocher, là, sous la dalle, sous la dalle. Je sais pas, il avait pêché, je ne sais pas combien, une quarantaine d'ombrines, c'était trop. Hein. Mais à l'époque, on ne se souciait pas trop de l'écologie. Voilà, mais après, on a fait des heureux. On avait un ami restaurateur et ça lui a amélioré ses menus. Voilà, et là, en parlant de marée, regardez, la marée est basse encore, il y a un banc de sable. Alors, il faut attendre que la marée monte. Il faut attendre que la marée monte et que la mer, elle va venir couvrir une partie des rochers, là. Voilà, alors il faudra que je reviendrai, parce que là, je voudrais cueillir des fleurs des champs. Ma mère m'a chargé d'une mission d'aller fleurir les tombes de nos chers disparus au cimetière de Rabat. Alors, avec des fleurs des champs. Donc là-haut, sur la montagne, là-haut, est-ce qu'on voit mon doigt là-haut? Il y a des fleurs des champs. Hier, j'ai filmé des lupins, c'était magnifique. Hein. C'était magnifique, vraiment, c'était merveilleux. Je trouve cette petite vidéo merveilleuse sans me lancer des fleurs, sans me lancer des lupins. C'est merveilleux, la nature est merveilleuse et il faut la capturer avec des images. Moi, je ne cueille pas les fleurs. Là, je vais être obligé d'en couper quelques-unes, puisque c'est ma mère qui le demande, et ce que mère veut, Dieu veut. Voilà, un petit kit. Je m'excuse, hein, c'est le gros plan, je vous dis, c'est comme il y a le bruit des vagues et la brise océane. Je me rapproche pour qu'on entende ce que je dis, qui est passionnant. Allez, ça fait un bon clip, ça. Je vous souhaite un bon mardi, le monde. Un excellent mardi, la planète. Thank you.
Bon, eh bien voilà, j'arrive de Bouknadel, la petite plage de notre enfance où j'ai cueilli des fleurs. Je ne cueille pas les fleurs d'habitude, je les filme ou je les photographie. Et je les ai cueillies à la demande express de maman qui veut que je fleurisse les tombes de nos disparus qui reposent au cimetière de Rabat. Alors j'ai fait trois petits bouquets avec des immortelles, donc les immortelles, même coupées, elles sont immortelles, c'est fabuleux. Et j'y ai rajouté une fleur de paradis du bougainvillier. Alors, il y en a trois, on va plouffer pour savoir laquelle va revenir à André. Mon oncle et parrain, on va plouffer, plouf, ça sera ce bouquet-là qui sera pour toi au bout de 3, 1, 2, 3. Le Vénard, le plus gros, Andréa le plus gros, on va, il y a un petit peu de vent, je ne veux pas que le vent l'emmène très loin, on va essayer de planter ça là, là. Voilà, 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 je l'ai planté, ça m'étonnerait qu'il prenne racine, mais sait-on jamais, avec la magie. Voilà André, eh ben bon repos, bon repos, voilà pour le premier bouquet, il ne me reste plus qu'à trouver Émilie Cresta et Aimé Debelle. Voilà, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver la tombe de mon grand-oncle, Aimé Debelle, qui est mort jeune d'un accident, le pauvre, je crois qu'il s'est fait renverser par une voiture, et je crois que c'est en venant au cimetière voir sa maman qu'on va aller fleurir un peu plus loin. Voilà, vous saurez tout, et je crois qu'il est mort en 1960, on voit pas bien la date, mais il est mort jeune. Voilà, j'ai un souvenir de lui et ça me touche d'être là. Voilà, mais il reste deux bouquets, on va plouffer, on va plouffer. Plouf, ça sera toi qui auras ce bouquet-là au bout de 3, 1, 2, 3. Et bien c'est le petit pour aimer, voilà, le petit bouquet. Voilà, et ça c'est pour sa maman qu'on va aller trouver. Voilà, je voudrais juste vous faire remarquer que j'ai fait un nœud d'hameçon, un nœud de pêcheur pour lier les immortelles et le bougainvillier. Un nœud de pêcheur que m'a enseigné mon père dans son plus jeune âge. Et là, comme il y a un peu de brise, on va mettre une petite pierre, voilà, une petite pierre, voilà, les immortels sont dans un lit de pierre, et on va voir, on va aller trouver Émilie maintenant, la maman d'Aimé. Ah, et voilà, la tombe de mon arrière-grand-mère, de notre arrière-grand-mère, Émilie Debelle, née Cresta. Et elle, on la connaît bien puisque elle est morte chez nous, ici à Rabat, à Lagdal, eh bien en 1961. J'avais 7 ans et c'est un souvenir parce que maman me dit, il faut aller dire au revoir à grand-mère. Bon, je savais qu'il était arrivé quelque chose, il faut aller dire au revoir à grand-mère. Alors, il faut aller l'embrasser. Alors, je vais l'embrasser. Puis là, je comprends qu'il y a quelque chose qui est pas normal du tout. Et j'ai pris les jambes à mon cou et j'ai pris la fuite. Et maman m'a rattrapé, m'a expliqué qu'elle était partie, etc. Qu'elle était avec le bon Dieu au paradis. Bon, des mots rassurants. Je suis retourné dire au revoir à grand-mère. C'est la première personne que j'ai vue sans vie, donc je me souviens bien d'elle, elle était gentille comme tout, c'était vraiment la crème des femmes. Et regardez, elle a déjà
une tombe fleurie par le printemps avec un lupin bleu. Voilà, on l'appelait grand-mère. Alors, ben, grand-mère, j'espère que tu es bien là-haut et que tu ne nous as pas oubliés. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, le monde.